au Salon Nautique 2021. Donc j'espère que ça va vous plaire. Moi je vous dis à tout de suite. Ayant un problème avec la GoPro au niveau du son, donc j'ai réalisé en fait une bande son à la maison afin de vous expliquer certaines choses. Donc je ferai plusieurs bandes son lors de la vidéo. Donc là, ce que j'essaie de vous présenter en fait, ce sont des leurres qui sont un peu spécifiques pour Abu Dhabi. Donc on retrouve les marques notamment Yassi, qui est une marque japonaise. On retrouve en énorme quantité ici. On arrive à trouver du Sakura, on arrive à trouver du Kanata de chez Megabass. On retrouve aussi du Berkeley. Donc ce sont vraiment des leurres un peu spécifiques pour les poissons comme le kingfish, le queenfish et le chevalet. En fait, le chevalet, c'est une carangue. Donc voilà. Donc là sur la vidéo, ce que vous pouvez voir, c'est que j'essaye en fait les cannes Okuma, notamment j'essaye la Matrix. C'est la canne notamment que je vais acheter, c'est la canne qui a le vendeur, la canne blanche. Donc je cherchais une canne pour faire du jegging, donc à fait de 7 à 40 grammes et c'est une 2 mètres 44. Bon bah c'est un bon petit compromis je pense pour le bateau. Donc voilà, il n'y a plus qu'à essayer.
écouter les camarades. Donc là, on est en fait sur une rénovation de bateau. Voilà, je vous laisse découvrir. Assez intéressant. 2001-2021. Voici le résultat. En fait, ils ont pris un vieux bateau de pêche, un peu traditionnel. Bah, tout simplement qu'ils ont en fait restauré.
Vous avez pu voir un petit peu de pêche. J'ai pas trop parlé parce qu'il y avait pas mal de bruit, pas mal de beaux bateaux de pêche. Sinon, j'ai une petite chaîne à vous conseiller d'un camarade qui m'a donné pas mal de conseils sur les vidéos YouTube. C'est Gandhi Pêcheur. Je vous mets le lien ici. Voilà, le petit lien. Donc allez le voir, c'est tout ce qui est pêche au thon, pour Méditerranée. Il fait du jean, il présente du matériel, pas mal de conseils techniques sur la pêche. C'est un super vivant. Il fait notamment une belle vidéo sur la paella pour les gourmands de paella. Donc voilà, donc je vous dis à bientôt. Et sachez que demain, on va à la pêche. Et je vous dis à demain.